Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici clairement mon style de tous les jours pour aller en cours. J'aime bien, je me sens bien. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi. J'ai envie de changer. Donc au lieu de tout racheter, j'ajoute tout simplement une touche de peps à la tenue. Avant que je vous montre mes petites astuces, parlons de ce décor que je kiffe. J'ai littéralement passé ma matinée à tout déplacer dans ma maison et on va dire que je suis plutôt contente du résultat. Première tenue, mon jean Levi's que j'aime d'amour. Vraiment, je le kiffe avec un gros pull pour l'hiver, la base. Et mes petites baskets blanches. J'avoue que je me suis déjà racheté pour la deuxième fois tellement je les aime. Ok, c'est basique, cette tenue, je l'ai mise, remise. Pour ça, tu chopes un lacet, tu prends, tu remontes, tu tires bien. Ça te fait deux pulls en un, mais vraiment. Genre, je kiffe faire ça avec tous mes pulls. Et pour une touche de peps, de couleur, un petit bandana à ma maman. Je t'avoue, je sais pas où est-ce qu'elle l'a déniché. Et bam, enfin, la tenue, elle a direct changé, quoi. C'est mes cousins qui vont se foutre de ma gueule, sachant que tout cet été, je le portais en top, ce bandeau. Basique, efficace, j'aime beaucoup ce petit jean. Oh, Stradi, faut qu'on en parle de comment il fit bien. Par contre, qu'on se l'avoue, ça fait deux fois que je le rachète parce que le cuir craque super vite. Bon, d'ailleurs, c'est pas du vrai cuir. Et pour donner un coup de peps, encore une fois, enfin, surtout un coup différent, parce que ce petit cardigan, il fait plutôt sérieux, j'ai envie de dire. Bam, je le mets, il est un peu trop long, c'est moche. Je raccourcis toujours avec la technique du lacet. Et après, si tu caches les fesses, par exemple, bam, tu descends ta chemise ou tu peux aussi la remonter. Ça fait un effet de superposition que je trouve assez cool. En plus, c'est la mode en ce moment, les gilets sur les chemises, là. Et pour rajouter encore un coup de différence, tout le monde va peut-être pas aimer, mais j'adore faire dépasser mes chaussettes de mes Docs. Ça fait un rappel de couleur, tu vois, avec le haut. Et dire qu'avant, je ne jurais que par ça, les taillottes hyper slim. Jamais tu m'aurais fait mettre un pas d'elfe. Bon, alors que maintenant, j'en ai dans mon placard, tu vois. Avec ça, un petit haut noir basique, simple, Mims, que ma cousine m'a passé. J'aime trop récupérer des trucs dans les placards de mes tantes, ma maman, mes cousines, mes sœurs. Ajouter du peps. Une belle accumulation, ça fait direct toute la diff, vraiment, qu'on se le dise. Et une grosse pièce comme ce manteau-là, qui a des motifs vraiment différents, assez chargés. Pour trouver ce genre de grosse pièce à des prix abordables, je regarde à fond dans les destocks et dans les frites. C'est cute, vraiment, je la mets souvent même cette tenue. Mais comment, une fois que tu l'as trop mise, tu peux lui rajouter un coup de vie, tu vois? Et sans avoir besoin de racheter des grosses pièces tout le temps. Bam, comme ça, les gars. Avec un collant qui sort du lot, t'en trouves des archi pas chers partout, Carrefour, Leclerc, Inter. Et là, j'ai rajouté un haut de soutif. Bon, si t'as un haut de cet été avec des détails et tout, sympa, ça fait pareil. Et après, pour enlever le côté sexy clairement avec les bottines à talons, les Docs, j'adore les mettre avec des jupes, des robes, ça casse, mais vraiment pile comme il faut, quoi, le look. Est-ce que tu te rends compte de toutes ces pièces trop tristes au fond de ton placard qui attendent l'été prochain pour que tu les ressortes? Je suis sûre, tu vois, de quelle petite robe je parle. Celle que t'as sortie cet été pour, j'espère, ton meilleur date. Eh bien, tu fouilles ton placard et t'enfiles tout est basique que t'as dessous, n'importe. Ça fait direct plus hiver quand même. N'hésite pas aussi à mettre des collants. Moi, je commençais à mourir de choix à ce moment. Petit haut rouge, ça fait Noël. Et les Docs, parce que qu'on se l'avoue, elle est quand même un peu courte et vite fait sexy, cette petite robe en jean. J'aime beaucoup en fait. Et un tote bag pour les cours. Je sais pas, je kiffe utiliser ça maintenant. Les chaussettes, le retour. En plus, sur celle-ci, il y a un détail rouge. Donc, j'adore. Ah, toujours les Docs avec une robe. Cette robe que j'aurais pas me résilier à laisser au fond de mon placard. Je l'aime trop, donc bam, un haut dessous. Ça fait très tortue, hein, mais disons que je valide parce que moi je peux la porter. Cette petite robe pull, honnêtement, je l'adore, je suis trop bien dedans, mais elle est trop simple. Faut que rajouter un truc, un pull noir tout simplement par exemple par-dessus. Et bam, bam, bam. Oh, c'est collant aussi avec les détails de la ligne. Je les ai depuis un moment et j'osais pas les mettre.
Et maintenant, mais qu'est-ce que je m'en fous, je les aime trop avec mes docs toujours aussi. Et avouez-la, elle rend bien hein, cette petite robe pull. Ah là, cette robe, tu vois, elle est trop belle. Mais elle est devenue trop courte aussi avec le temps. Mais j'ai pas envie d'arrêter de la porter ou encore de la passer, tu vois. Donc, la superposition. Ça, j'ai une copine, c'est la pro, clairement. Elsa, c'est elle qui m'a appris cette technique du lacet et tout. Comme tu vois, maintenant, j'en abuse un peu trop. Mais c'est tellement pratique. Et ça, c'est le genre de tenue, c'est soit tu mets les docks et c'est mime, soit bam, les petites bottines. Enfin, ça fait chouchou. Et pour un côté encore plus chouchou, n'hésite pas à faire ressortir tes manches de chemise. Et là, t'as plus ce souci. Regarde, elle remonte pas d'un poil. On transforme un peu tout depuis le départ, donc go, passer d'une robe à une jupe. Et pour que ça marque bien la taille, c'est disons que ce mimes comme ça, le lacet. Le retour est toujours le lacet. Bon là les gars, préparez-vous un de mes coups de false. Je sais pas pourquoi j'ai pris mes ciseaux et bon, mais bam, voilà. Une petite frange. Aussi, parlons de cette robe que j'aime d'amour. D'ailleurs, elle est récente. Elle, à mon avis, vous pouvez la dénicher toujours chez Stradi. Bon, disons que je peux pas nighter avec pour le moment. Je vais pas aller bien loin non plus pour sortir dans la rue. Donc, je l'habille avec ses docks et ses hauts noirs. Ah, je l'ai déjà mise comme ça. Et franchement, j'adore. Ça change, c'est cute. N'hésite pas à mettre des collants aussi s'il fait froid. Aussi, si tu veux juste garder le haut, parce que c'est trop sympa le haut, je sais pas comment ça s'appelle comme ça, une jupe par-dessus. Voilà! Et quitte à aller au bout de faire des tenues avec cette robe, une dernière pour la route avec ce pull, je l'ai piqué à ma cousine, mais j'étais surprise de voir où est-ce qu'elle a trouvé qu'il y avait. Et il est mais trop sympa! Bon, on parle de tenue pour les cours. J'allais pas partir sans la tenue du mercredi où t'es à l'aise. Je remonte toujours le haut de mon jogging, comme ça fait des belles fesses quoi. Avec mes baskets, un peu noir, basique. C'est simple hein, tout noir quoi. Attends là, je remonte le avant après, c'est bon et va, on a capté. Moins bien. Et mieux. Oh, arnaque du mercredi. Et maintenant, pour une touche old school, vous avez dû voir passer la tendance de partout sur TikTok. La chemise qui dépasse du pull, tout simplement. Et, parlant de TikTok, voilà comment remonter ses pulls. Tu fais la même technique que le lacet, mais avec une ceinture. Et je peux te jurer que ça tient trop bien. Bon les gars, je stresse un peu, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. J'espère vraiment que vous avez kiffé, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. J'ai beaucoup trop aimé vous la faire en tout cas, donc si ça vous intéresse pour cet hiver ou des looks d'été, dites-moi. Voilà, bisous.